Bonjour, bonjour à toutes, c'est sur le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Planète Zoo pour la suite de notre zoo australien. Nous sommes en live Twitch, bonjour à Glemsa, Antoine Narctinou, Loustic, Hagrid, Putero, etc, etc. Bonjour tout le monde. On continue à travailler tranquillement sur ce zoo en essayant d'être un peu plus... J'ai perdu le mot. Un peu plus consciencieux, je sais pas si c'est ça le bon mot, mais en tout cas on va dire ça. Sur la décoration autour des enclos. On essaie de faire un zoo qui ressemble à quelque chose. On en était là. On a fait ça dans la dernière vidéo. On a fait ça ici, là. Donc on va finir de faire ça là-haut. Et décorer la route. Enfin, décorer la route en mettant des bancs, les distributeurs, les trucs de dons, etc, etc. Au niveau des... Ouais, ça va... Hein? C'est quoi l'impact négatif ici? Qu'est-ce qu'il y a ici qui fait impact négatif? Ah, il y a des trucs... Comment t'y vas là? T'as même pas de porte? T'as une porte ici. Ah, mais il y a une route ici. Merci beaucoup, Seigné, bienvenue. Et là? Ah, bah attendez, mais j'avais pas vu ça. Il y a une porte ici. Allez. Ah, oh, ça s'accroche. Non, mais ça s'accroche pas. Ça s'accroche pas, donc ça doit pas être pris en compte. Je sais pas trop. Comment je sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. I don't understand. Je sais pas pourquoi tu peux pas aller accrocher ta route. Pourquoi tu joues pas en play, mauvaise habitude? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mauvaise habitude. C'est vrai qu'on est en illimité, donc on perd pas d'argent. D'ailleurs, on en est où financièrement? On a perdu moins 1000 alors qu'on a fait 19 000 d'achats. Moins 200 alors qu'on a fait 20 000 d'achats. Alors on a fait 191 000 d'achats, on a moins 8 000. Ça va en vrai, hein. On fait beaucoup d'achats et... Je vais laisser tourner une journée, un moment, je pense. C'est la mauvaise allée. T'étais en file d'attente. Ah, c'est vrai? Ah mince, pardon. Je croyais avoir cliqué là. Ah, ok. Merci. Merci, merci. Est-ce que ça nous sert vraiment, ce bâtiment, au final? Qu'est-ce que c'est comme bâtiment, d'ailleurs? Salle du personnel. C'est pas mal, une salle de personnel. Et un cabane de soigneurs. Cabane de soigneurs, hein. J'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche un peu. Quoique. Vas-y, je vais mettre une petite route ici. Ah, est-ce que je peux... Angle. Ah, dommage. Bon, écoutez, voilà, hein, on va faire ça. Hein. On est toujours dans le rouge, ça sent la fin du budget. On est toujours en illimité, surtout. Non, ouais, ça va, quand t'as 180 000 d'achats. 180 000 d'achats, je perds 8 000. Donc, si j'achète pas, je gagne 150 000. À peu près. Mais comme on n'est pas sur le point d'arrêter d'acheter, on n'est pas de sortie. Du coup, là-haut, on va continuer un petit peu le même genre qu'ici, là. Et là, on va recommencer à remettre un petit peu d'arbres. Parce que c'est la fin de... Voilà, c'est la fin de ça, quoi. Ici. On va essayer de faire un truc comme ça. Et d'ailleurs, parce que YouTube n'est pas au courant, c'est pas impossible, parce que l'idée m'a été donnée sur le dernier live, et que j'aime beaucoup l'idée. C'est pas impossible qu'on se retrouve avec eux. Océanie. Hein. Ici. Pas possible. C'est pas impossible que ça devienne un enclos. Alors, pour l'instant, on est en réflexion. Mais à la fin, peut-être que si j'ai encore envie de jouer et que je suis inspiré et que je me dis bah ça pourrait rendre bien,
C'est pas impossible que ça devienne un enclos. La porte est trop haute pour la route, c'est vrai. C'est vrai que la porte est un peu haute pour la route. On pourrait la bouger d'ailleurs. Si vous voulez qu'on la bouge, on peut la bouger. Histoire que ça fasse un poil plus réaliste. Voilà. Très bien comme ça. Très bien comme ça. Mais c'était bugué. Magnifique ce bâtiment pour l'électricité. Oh, c'est workshop. De quoi, celui-là? Tu parles de ce bâtiment-là? Parce que si tu parles de ce bâtiment-là, sache que c'est une construction de mes soins. C'est une construction faite par mes propres soins. Il te taquine, je pense. Non, je pense qu'il est sincère. Moi, je suis assez honnête avec moi-même. Je sais que ce que j'ai fait est extraordinaire. Donc, ça ne me surprendrait pas que vous soyez vous-même stupéfait par cette perfection de bâtiment. Alors, ici. Je vais faire un truc tout de suite. Je vais enregistrer ça comme plan. Fusionner déjà. Tac. Et je vais enregistrer comme plan. Nouveau plan. Je vais mettre feuillage désertique. Ça ne veut rien dire, on s'en fiche. C'est pour moi quand je ferai... quand je ferai ma zone... Bonjour Matisse. Quand je ferai ma zone... Voilà quoi. Non? Vous avez très bien compris. Dingo. Ma zone dingo. Nature. Désert. Trop grand. J'ai tendance à prendre le plus grand tout de suite. Ouais, ça, je sais pas, ça bug. C'est bizarre. Planète Zoo, il y a des moments où c'est bizarre. Hein. Pas mal ça. Pas mal ça. C'est simple, c'est efficace. Hein? Bon, à peu près. Hein. À peu près, à peu près. Hein. C'est, Agave, c'est désert du coup? Nice, elle est. Ok. Petite décoration. Je vais en remettre une ici. Et je vais mettre. J'ai bien envie de mettre un. Un. Voilà. Cocotier ou je sais pas quoi. Aquatique. Tempérette, tropicale, prairie. Aquatique ne sert à rien ici. Aquatique ne sert à rien ici. Océanie. On va mettre un arbre genre... ouais, genre un cocotier, quoi. Genre un petit cocotier. Genre un petit cocotier avec... des fougères au pied. Et puis on ajoute un caillou. Et puis on ajoute un petit caillou. De déco. Simple et efficace. Voilà, ça décore simplement. J'ai presque envie de dire pourquoi pas. Bonjour Kruger. Tellement de gens meurent bouffés par les crocos ici plusieurs par semaine. Faut faire super gaffe près des rivières, etc. Plusieurs par semaine? Jupio, bonjour. Plusieurs par semaine? C'est où? T'es où? T'es d'où toi déjà, Aziz? C'est. On est en Océanie, mais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ça fait beaucoup, plusieurs par semaine. Peut-être falloir se poser des questions aussi, hein.
plusieurs par semaine, excessif quand même, non? Ça aurait été mis là-dedans, la broussaille, là? C'est un B, ce serait un O. Où est-ce que ce serait mis? Non, j'ai mis feuillage. Non? Hein? Il est où mon plan? J'ai pas le plan. Surtout sur l'île de Bornéo. Malaisie, oui, c'est ça, Malaisie. C'est fou quand même. Hein. Comment je l'ai appelé mon plan? Ah, c'est pas broussaille? Je sais plus comment elle est. Feuillage? Mais si, j'ai appelé feuillage. Ah ouais, ok, c'est orange. Très bien, je sais ce que je cherche. Il est pas là. Ok, bon, c'est juste pour le trouver. Tu sais qu'en Papouasie, ils sont toujours cannibales et c'est pas illégal. Il y a des gens qui disparaissent de temps en temps. Quoi? Hein? Comment? Quelle est cette information? Ben, y a des anecdotes un peu dégueu sur le cannibalisme. Moi j'en connais une, je vais pas vous la dire parce qu'il y a peut-être des enfants, mais. J'en connais une, voilà. Je dirais que. C'est pas folichon quoi. Manger une salade, les gars, c'est bon, hein, au bout d'un moment. C'est pas trop ce qui se passe, ils sont en train de prendre un kangourou. On voit qu'ils sont en train de s'occuper un petit peu de la zone. C'est très bien, les gars, on est assez fiers de vous. Sachez-le. Continent, Océanie. Alors. Du coup, ici, on va mettre quelques arbres. Voilà, histoire qu'on se dise, bon, voilà, c'est voilà, y a des arbres. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'aime bien faire un petit truc comme ça, je sais pas pourquoi. Mais... on n'a pas décoré. Ah si, on a décoré comme ça. On va peut-être monter jusqu'ici, mais on n'ira pas plus loin. Parce que ça ferait trop. Et je vais mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme arbre? Sachant qu'il faut pas non plus que ce soit un truc de fou, quoi. On pourrait mettre un tamarinier. Un tamarinier en sortie de jungle. Enfin, de jungle. Vite fait, quoi. Avec un string... avec un string. Stringy bark. Stringy bar. String bar. Je vais le mettre ici comme ça. Tac. Ok. Ok. Et là, du coup, ça va être continuation de. J'aime bien ce. Cet arbre, il va être. Ça va devenir mon préféré. Je crois que c'est mon préféré du DLC. Honnêtement. Il m'a conquis, quoi. Il m'a conquis, ce petit arbre. Ah, je pourrais mettre la palmier aussi. Hein. Ok. On voit ça. Non, mais vraiment. Hein. Il est beau, je trouve. Il est beau, il est dense. Il est simple, il est efficace. Tout ce qu'on recherche. Enfin, tout ce que je recherche. Pommier, tiens, je vais en mettre un ici. Petit pommier. Petit pommier. Et je voulais mettre quoi? Je voulais mettre voilà, un gommier. Gommier. Pourquoi pas celui-là? Ici. Ça gêne pas trop la vue, c'est un tronc d'arbre quand même. C'est bon, tu regardes autour. Hein. De toute façon, tu regarderas pas d'ici. Tu vas pas. Hein? Tu vas pas mentir. Euh...
Normalement, les Papous, habitants de Papouasie, sont cannibales, mais uniquement sur les gens morts de la tribu. Pour eux, ça a une signification religieuse, mais je ne sais plus trop. C'est à prendre avec des pincettes, je suis pas sûr de cette info. Mais écoute, merci Poutero. Les gens qui sont intéressés par cette information, n'hésitez pas à vous renseigner vous-même. Et ne vous contentez pas des ondits. C'est important. Oh, le kangourou revient. Ah, tu l'as tué ? Ah non, pas lui. Oh bah dis donc, elle dort paisiblement la mémère. Eh ? T'es bien, hein ? Ah oh, si, t'es mignonne. Toute mimi la mémère. Darana. Le bois couillot, il est sympa, mais il est vraiment tout petit, quoi. C'est pas trop... Ce côté-là, je le ferai après. Je vais d'abord faire le pont. Ici, je mets des cailloux. On va passer sur des cailloux déserts, mais les déserts, pas orange. Parce que c'est ceux que j'ai mis ici, c'est ceux qui sont là, donc ouais, ça va aller ensemble. Pourquoi pas? À quand le zoo principal? Bah, Rafkar, jamais, hein. Il est beaucoup trop buggé. Malheureusement, il est beaucoup trop buggé, quoi. Donc très grande déception de mon côté, je vais pas te le cacher. J'aurais aimé faire ce zoo-là dans le zoo qui est déjà complet. Enfin, bien travaillé, on va dire. Mais c'est malheureusement impossible pour un gameplay agréable. Parce que dans l'absolu, tout est possible. Hein. Ok. On va continuer du coup. Ah bah je sais pas pourquoi j'ai enlevé ça. On va continuer du coup. Ce combo de fleurs là. Par ici du coup. Je vais décaler ça. Histoire de faire un truc à peu près propre. Ok. Et celui-là. C'est ok. C'est légèrement nature. Quand le jeu bug ramin, ouais, c'est ça. Mais je sais pas si ça va être corrigé en vrai ce problème. J'ai bien l'impression qu'ils en auront un peu rien à faire. Ou alors peut-être qu'ils peuvent pas y faire grand chose. Peut-être parce que le jeu de base qu'ils ont créé fait que ça bug, quoi. Là on va pas mettre. Et du coup ici on mettrait quoi? On mettrait je pense qu'on va continuer les trucs denses, hein. Parce que ça reste la suite de l'oasis, on va dire, quoi. Donc je vais mettre des fougères au sol, hein. On a quoi là-dedans? On a vraiment rien là-dedans, hein. Alors question bête, c'est quoi la différence entre la fougère nid d'oiseau et les fougères? Pourquoi dans un cas c'est considéré comme une fleur et dans un cas c'est considéré comme une plante? Est-ce qu'il y a des connaisseurs?
Est-ce qu'il y a des connaisseurs? Bah non, mais pourquoi faire? Je suis encore dans un plan là. Pas l'aider, je suis pas botaniste. Ou quand tu changeras son ordi, car malheureusement ça dépend aussi de ça, Frontier va optimiser le jeu. Bah, je t'avoue que maintenant que j'ai joué à Microsoft Flight Simulator en qualité maximale et que ça bug pas, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que le problème vienne de mon ordi quoi. Je pense que Microsoft Flight Simulator est bien plus, enfin demande bien plus de puissance que Planet Zoo. Alors certes, Microsoft Flight Simulator a eu quelques soucis, mais en vrai, une fois la partie chargée, j'ai joué de mon côté, j'ai rarement lagué quoi. Donc, attention, si en ville. En ville, ça m'est arrivé, effectivement. Mais dans la nature, non quoi. Je sais pas si je vais mettre full fougère ici, je pense pas. Je pense pas mettre full fougère ici. Je pense qu'on va mettre quelques plantes. La fougère ici pousse sur les arbres tellement c'est humide. Ah ouais? Non mais en Malaisie quoi, c'est trop bien en vrai. Et t'as toujours vécu en Malaisie? Curiosité, attention. Tes parents sont français? Pourquoi tu parles français? Es-tu malaisien? Es-tu français? Es-tu autre? Francophone? Qu'est-ce qui fait que tu vis là-bas? Pourquoi? Seul, c'est surprenant. Hein. Non. Après, ici, je vais quand même mettre un arbre. Hein. Depuis janvier, avant, j'étais à l'île Maurice. Sinon, je suis de Cannes, mais j'aime bien l'étranger. Ah, ok. Tu peux partager des photos sur le Discord. Ah, carrément, si t'as des photos, n'hésite pas. Hein. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde présent en live ou en vidéo qui ait déjà mis les pieds en Malaisie. Hein. C'est pas mon cas. Par exemple. Et ça peut nous faire rêver. Voyager. C'est fou. Hein. Merci beaucoup. Tony Weed, bienvenue. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux mettre? Oh, les fougères cornes de cerf, là. C'est pas les utiliser. Après, on peut mettre un figuier. Hein. C'est lequel? C'est celui-là. Non, ça devait pas être celui-là. Peut-être plus celui-là, à la limite. Non, beaucoup trop dense. Celui-là, peut-être plus. Ouais, non, je suis pas fan. Salut au goût. Je suis pas fan. Hey. Je vais. C'est comment il s'appelait déjà? Buisson de. Donc c'était B. Wouhou! C'était ça. Ah, je vais mettre un peu de fleurs comme ça. Arrop.
faire ça. Ok. Je vais... Je tente. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ok. Ce qui fait que c'est un peu plus dense. Enfin, moins dense. Mais que ça le reste un petit peu. Ouais, ça n'est pas non plus énormément, quoi. Mais ça va. À la limite, je peux mettre un tout petit peu de fougère par-ci, par-là. Genre juste ici. Et pas là. Ce qui fait... C'était quoi? On a eu des infos là. Il y a eu un bébé, non? Oh, on a un bébé kangourou. C'est pas vrai. Non? T'as pondu? Il y a un bébé kangourou. Attendez. On va regarder d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un bébé kangourou? Est-ce qu'on a un bébé koala? Est-ce qu'on a un bébé? On a pas de bébé. Ah bon, je me suis cru. Par contre, on a un... Ah non. Chaque fois, je crois. Mais on n'avait pas un koala enceinte? Ah non, c'était l'alpha que j'avais confondu. On n'a pas de bébé, hein. On n'a pas de bébé. En même temps, on n'a pas mis play beaucoup non plus. Bonjour, Jaguar Tech. Dans quelle section pour les photos? Tu mets dans la section art, dessin, etc. J'en profite pour YouTube, n'hésitez pas, hein, y a un Discord si jamais vous voulez y aller. N'hésitez pas. Ok, t'as pas de courant? Comment ça se fait que t'as pas d'électricité, toi? On se dit qu'il y a pas d'électricité ici. Ah, y a pas d'électricité ici. J'en ai pas là-bas non plus. Ah, très bien. Écoutez, nous voilà ravis. Le traitement de l'eau est géré par là. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce même bâtiment là, qui est assez extraordinaire. On va le poser par ici. On va mettre électricité à côté. Et je le rebougerai le moment où je travaillerai ce coin-là. Comment on fait pour... Fais voir du coup au niveau électricité, on est bon. Et traitement de l'eau, on est sûr d'être bon. Très très bien. Ce qui fait que je vais prendre simplement la route ici. Parfait, on s'occupe de ça plus tard. Salut Julien.
Écoutez, on est pas mal. Je vais faire une sauvegarde rapide et on va décorer, enfin mettre ce qu'il faut sur la route, quoi. Les bancs, les poubelles, les lampadaires. Et on aura officiellement fini cette zone. Ah non, il y a encore là au sol, pardon. Il y a encore là au sol. Je pense que je vais remettre ça ici. Je pense que je vais remettre ça ici avec quelques cailloux. On est sur la sortie de la forêt. Caillou orange. On va mettre des rochers orange. Enfin, ils appellent ça rouge d'ailleurs. Mettre ça comme ça. Comme ça. Un peu grand. C'est pas choquant, c'est caché sous les arbres. C'est pas choquant. Continent. Océanie. Et je vais remettre un petit peu d'agave et de corne porte-épique, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et on sera pas mal pour la déco de ça. On sera pas mal pour la déco de ça. J'aime bien les poser sur les cailloux en vrai, ça décore je trouve. Et porc épique. Porc épique. Et je vais mettre un peu de... Qu'est-ce que je pourrais mettre au pied ici? Ça par exemple. Ah, tu vas me dire que depuis le début j'ai enregistré un plan qui fait que c'est pas droit quoi. J'ai pas pris le meilleur quoi. Ah non, ça va. Ouais, ça va, c'est pas non plus. C'est pas dramatique. Bon, ça me semble correct. Ici, on pourrait mettre un petit peu de plantes au pied, mais je veux pas non plus. Je veux pas non plus que ce soit dense, quoi. Donc, à la limite, partir sur un truc comme ça. Histoire que ça décore un peu cet endroit-là. Ça décore un petit peu. C'est pas horrible. Ce qui fait que quand t'es là, c'est décoré quoi. C'est pas juste des trucs vides. Ouais, ça va. Ça va. Sauvegarde. Je vais mettre les bancs et autres. Salut Timo. Alors, les bancs à partir d'ici. Construction.
Non, service, pardon. Service, service. 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 Tac. Pack de contenu Australie. Bon. J'en mets. On peut en mettre deux. Non, un seul, ça va. Hein? Bon. Ici, c'est pas décoré. Ça, là, c'est pas fait, là. Ça, là, c'est pas fait, là. Là, il va falloir mettre des trucs ici. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les distributeurs. Je vais d'abord mettre les distributeurs. Ça permettra d'avoir l'emplacement où potentiellement mettre des bancs. Ah, pas du tout. Distributeur de boissons. On va mettre un Julpi. On va le mettre ici tout de suite. Tac. Hop. Ensuite, on va mixer avec. Il n'y a pas de distributeur de souvenirs. Ça, ça, ils auraient pu. Hein. Tu sais, le petit truc où tu vas attraper des peluches. Je vais mettre un Cosmico Ice Cream ici. Je vais en mettre plusieurs. Je vais mixer. Les Cosmico. Comme ça. Je vais mixer et puis on verra bien quoi. Hot dog. Ah, si tu veux pas faire la queue ici, bah, tu pourras aller prendre ton hot dog là. Distributeur de Peep Shop. Oh non! Oh, je suis malheureux! Oh. Vraiment? Ça passe pas du tout! Oh. Oh. Ah, écoutez, il n'y aura rien à acheter par ici, et puis c'est tout, hein! Tant pis, hein! Si 1 ça passe pas, 2 ça passera clairement pas. Ah, oh, c'est dommage ça. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Terrain n'étant pas plat. Bon, bah écoutez, on sera sur ça. Hein. On sera sur ça, tant pis. Hop. Bon. 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 Ah, là, du coup, on va pas pouvoir mettre de banc en plus. Hein. Ouais, ça grimpe. Hein. Là, il va pouvoir... ça, là, on travaille les cuisses. Hein. Là, on travaille les cuisses, et puis là, tu sais, repos, là. Là, c'est repos, là, t'es au bout du rouleau, tu te dis, pfff, oh, quelle montée. Quelle montée extraordinaire. Eh bien, repose-toi. On m'a dit qu'il fallait accumuler, hein, les bancs, il fallait pas hésiter, donc on n'hésite pas, quoi. Après, on verra. Après, on verra. Mettre des bons au milieu, là, ce serait perturbant plus qu'autre chose. Ok, poubelle. Faites pas les hein, fous. Il y a de la poubelle. Hein. Il y a de la poubelle, les gens. Soyez pas complètement dégueulasse, hein, s'il vous plaît. On compte sur vous pour l'entretien du zoo. C'est pas parce qu'on a des employés qui sont là pour ramasser vos cochonneries. Bien évidemment. Ah, ici. Ah, ici, on peut mettre un banc. Parce que bon, s'il y a du monde à faire la queue. Alors, au moins, tu peux faire la queue assis. Et patienter. S'il y a quelqu'un que tu connais qui a envie d'aller aux toilettes, bah au moins tu peux l'attendre ainsi. C'est quand même plutôt positif. Je vais mettre aux deux sorties quand même là.
Ici, on a une poubelle. Ici, on peut en mettre une. Ici, on peut en mettre une. Ici, on en met une au bout. Ici, on en met une au centre. Là, il y en a. Par là, c'est fait. On peut en mettre une ici, éventuellement. Voilà, plus celle qui est là. Qui est en plus utilisée. On est pas mal. Je suis en qualité élevée sur Panelzo, mais les animaux sont flous. Comment je fais pour qu'ils ne soient plus flous? En qualité élevée? C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Il n'y a pas vraiment de solution en plus. Hein. Y a pas vraiment de solution parce que bon, c'est pas très clair. C'est, enfin, c'est surprenant quoi, en privé. Que normalement est pas mal cette ce petit passage est sympa, j'aime beaucoup. Alors on va éclairer parce qu'ici au final c'est pas éclairé d'ailleurs. On peut pas faire comme ça hein. C'est ce que je voulais faire, pas ce que je voulais faire non plus. C'est quoi la touche comme ça? Comment c'est la nuit ici là? On va éclairer et on verra après. Mettre un lampadaire. Je me trompe, mais je confonds mes touches. Ça suffit à éclairer l'ensemble. On verra. Ensuite ici. Je pense que un là, ce sera suffisant. L'objectif étant évidemment d'avoir un minimum d'éclairage, quoi. C'est pas non plus, on veut pas non plus faire une ville. Hein. Pas non plus faire une ville. Ok. Merci beaucoup Enzo, bienvenue. C'est pas découverte que The Dark Kings 3, bah non, et du coup non. Malheureusement non, comme Glemsert a dit, on est déçu puisque le jeu ne sort que ce soir apparemment. Donc tristesse. Tristesse. Alors, on est parti pour de l'éclairage. Je sais pas si je suis bien calculé et tout, mais bon, après, l'objectif étant que ça éclaire. Hein. Je fasse ça aussi. Ici. Là, je suppose que la construction est éclairée. Hein ?
On est d'accord. Oui, la construction était claire. Alors. Hop. Ici, un lampadaire. On peut encore en mettre un là et on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin dans le loot. On va venir par ici. Comme ça. Que ça rentre dans la... Voilà. Hein? Très bien. Ici, on va mettre deux travers. De chaque côté. Je pense même que je vais en ajouter un là. Parce que c'est un carrefour. Tu vois, on sait jamais. C'est un carrefour, on sait jamais. Il y a des gens violents. Il y a des gens qui n'ont pas forcément conscience qu'ils arrivent vite. Très bien. On va en mettre ici. Ça me semble pas mal. Ça. Comme ça. Ça me semble pas mal, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Il faut qu'on mette derrière. Service. Tu peux augmenter un peu la musique du jeu, s'il te plaît. Est-ce que ici je peux? Volume bande son. Parfait. Nature. Je sais pas si c'est bande son d'ailleurs. Effet sonore, ouais, c'est ça. Ensuite, service. Bon, là, il n'y a plus de musique. Hein, donc, pour l'instant, c'est compliqué. Mais en espérant que ça suffise. Distributeur de billets. Distributeur de billets. Oh. Je remets un note ici. On va en mettre quelques-uns, quoi. On va en mettre quelques-uns. Oh. Du coup, ça c'est pareil, ça passe pas, quoi. Ah, on est malheureux. Ah, par contre, ici, tu peux retirer et faire tes courses. Un peu galère. Un peu galère, ça aurait été bien ailleurs, quoi. Ça aurait été bien ailleurs, quoi. On en met quoi, on en met, et puis les gens utilisent ou pas, on verra, hein, de toute façon.
toute façon, personne ne les oblige. C'est pas parce que c'est là qu'ils sont obligés de les utiliser. Hein. Ensuite, on va redescendre. Et on va mettre ceci. Parce que l'air de rien, c'est important de gagner des sous. Pour gagner des sous, il faut qu'ils puissent faire des dons. On met là. On met là. On met là. On met là. Et là, on va caler dès qu'on peut, quoi. Ah, c'est vraiment bien, hein, cette construction. Ah, cette construction est vraiment bien. Hein. Faut pas mettre grand-chose, hein, à cet endroit-là. Hein. Tac. 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 Ok. Ça me semble pas mal, hein. Ça me semble pas mal. Les lampadaires, on décorait. Je fais une sauvegarde pour pouvoir recommencer. C'est important de gagner de l'argent quand on a un budget illimité. C'est dommage qu'on puisse pas trier les animaux par biome quand on les cherche. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Il manque des petits trucs pour que le jeu soit encore plus complet, quoi. En même temps, est-ce que c'est possible de faire un jeu parfait? C'est la vraie question. Alors du coup, fais voir un petit peu ce que ça donne. Madame qui court. Ah, ils ont déjà cassé un banc, quoi. Bravo, les gars. Bravo. Ici, la petite zone, elle est full éclairée. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on peut manger même la nuit. Voilà, on a bien su éclairer ici, on est content. Ici, on n'éclaire pas côté enclos, parce que forcément, on veut pas déranger les animaux. Ah, avec la lumière humaine. C'est pas bien. Ici, c'est bien, c'est éclairé. Très bien. Tout ça, on est bien. L'éclairage est parfait. Là, les lumières sont assez serrées parce qu'on est encore dans un semblant de truc où il fait... il est censé faire jour. Ah, c'est vachement bien éclairé, hein. Et là, on a écarté un peu parce qu'on arrive plus dans le désert. Et c'est parfait parce que c'est ce que je voulais. Des petites taches d'ombre de temps en temps. Alors, c'est pas la même taille à chaque fois, mais bon. C'est très bien. Ici, par contre... Ouais, l'éclairage est bon. Très bien. Là, bon, c'est pas pour les gens. On arrive ici. Tac. Ici, il fait suffisamment clair pour aller aux toilettes. On est content. On ressort. On arrive ici. Et l'éclairage est bon. Et l'éclairage est très bon. Ici, c'est plus éclairé parce que je verrai en fonction de ce que je fais. Et on reprend les... Ah, mais alors, attendez. Ça, on va le faire tout de suite. Le temps qu'on le voit. Ça, on va pas abuser non plus. Hein. On aime bien, mais... pas abuser, quoi. Passe la tondeuse quand même. Ici, l'éclairage est bien. L'éclairage est bien. Ici, on voit pas grand chose, mais tout va bien. Ici, c'est éclairé. Là, on voit rien du tout, mais c'est voilà, c'est la prise de risque, quoi. T'y vas si tu te sens confiant, quoi. Si t'as des ancêtres chats, tu peux y aller. Sinon, bon bah, tu t'assumes, quoi. Ici, c'est pas bien. Ici, c'est pas bien. L'éclairage est clairement pas suffisant. Donc, on va mettre une lampe. Ou alors, je le mets simplement ici. Parce que l'éclairage est clairement pas suffisant, quoi. Ça éclaire un peu mieux. On a mis ces petites lampes là, mais clairement c'est pas suffisant en fait. L'objectif c'est que tu puisses aller faire la queue pour aller faire un achat sans te faire attraper par un pickpocket sans t'en rendre compte. On veut pas non plus créer des coupes-gorges. Hein. L'objectif c'est qu'on se sente en sécurité un peu partout. Merci beaucoup, Yaken, bienvenue. Grand pour faire ça. Ça semble un poil grand, ça. Ça me semble très grand, ça. Sinon, on va simplement décorer comme ça. Ah, ça.
sera très bien comme ça. Ce sera très bien comme ça. Ici on descend, parfait. Et on revient ici, par là on remonte. Enfin on remonte. Oui on remonte, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ici l'éclairage est limité quand même. Ici l'éclairage est limité, mais ça passe encore quoi, ça passe. C'est parce qu'il n'y a pas de lumière dans les toilettes. Il y aurait de la lumière dans les toilettes, ce serait plus clair quoi. Ok, ok. Non mais on est pas mal. On est pas mal du tout. Je sais pas pourquoi j'étais en pause d'ailleurs. C'est un, il y a eu un vieux réflexe. Pardon. On est bon. Là on voit rien du tout, c'est tout à fait normal. C'est pour les employés. Donc ils y vont avec une lampe torche. Et ici on remonte par là. Et il fait clair. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me semble terminé. Hein. Ça me semble terminé pour cette zone kangourou. Le tour est fait. Et on est plutôt content, quoi. Le tour est fait, on est plutôt content. Il y a de quoi faire des achats, il y a de quoi jeter ses papiers, il y a de quoi s'asseoir. Il y a de quoi faire des dons. Il y a de la déco. Il y a un petit style, quoi. Ah oui, alors attendez, je viens de me souvenir d'un truc. Faire potentiellement, du coup, en terrain, ouais. Des petites traces de terre. Indiquant éventuellement des passages réguliers de... Des kangourous, quoi. Est-ce que ça va si on fait ça? C'est peut-être un peu trop dense. Non, 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 non. Ok. Voilà, bon, écoutez. Il a carrément été rebondir dans l'eau, lui. Il s'est pas posé de questions. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, hein. On pourrait accidenter un tout petit peu, là. C'est que ça ne distingue pas quoi. Le truc c'est que ça se distingue pas plus que ça quoi. Et enlever le côté très lisse quoi. Voilà. C'est un poil mieux, c'est ouais, légèrement mieux quoi. Sinon les kangourous savent nager mais ils ne vont pas dans la rivière. Bon après ouais, ils vont bien devoir y aller un moment ou un autre, ils ont balancé les deux ballons dans l'eau, alors va falloir aller les chercher. Hein. Va falloir aller les chercher. C'est pas les humains qui vont le faire. Hein. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Au niveau occupation, plante on est bon, au niveau terrain on est bon. Parfait! Très très bien. Mais écoutez, c'est officiellement la fin de cette zone kangourou. Avec l'enclos et le contour. Et nous allons donc nous lancer maintenant dans l'enclos casoir. Hein, qui va être ici. Qui va être plus jungle. Puisque casoir. Casoir. Ici. Vit dans un biome tropical. Papouasie, Nouvelle-Guinée, Indonésie, Australie. Hein, très peu par ici, mais beaucoup là. Donc c'est très jungle. Quoi.
C'est très jungle, donc ce sera parfait ici. Ce sera parfait ici, mais ce sera dans la prochaine vidéo. T'as beaucoup d'alertes. Ouais, mais j'y fais pas attention, mais je suis en truc... plusieurs problèmes de bâtiment. Je sais pas pourquoi il y a... Ça, d'ailleurs, j'ai pas compris ça encore. Disruptor Pip Shop, ouais. Après... tout ça, voilà quoi. J'ai envie de dire. Comment on fait déjà? C'est ici, Delhi. C'est des trucs où... bon... C'est des trucs où, bon, de toute façon... dans la zone koala ça. Voilà. Ce sera très bien. Ce sera très bien, ce sera très bien. Mais ouais, les trucs, j'y fais pas attention puisque de toute façon je suis en illimité quoi. Qu'est-ce qu'il a? Ils ne peuvent pas atteindre la plateforme de nourrissage. Bon, ça c'est encore un bug quoi de toute façon. Hein, on est d'accord que c'est encore un bug de toute façon ça. Tu vas pas me faire croire que là il n'y a pas accès. Ouais, c'est un bug. C'est un bug. Je vais faire un lac avec au milieu une petite île flottante avec une petite terrasse, puis je vais faire un tunnel sous l'eau qui va contourner l'île. Un lac au milieu. Une petite île flottante avec une petite terrasse. Puis je vais faire un tunnel sous l'eau qui va contourner l'île. Ouais, ouais, non, mais clairement, ça peut être cool, en vrai. Ça peut être cool, carrément, carrément. Carrément, carrément. Bon, du coup, fin du live. Non, pas du tout. Pas fin du live, fin de la vidéo YouTube. Prochaine vidéo, on se lance dans l'enclos casoir. Où on va faire pareil, hein. Ça va être l'enclos, les contours, on va prendre son temps, on essaie de faire quelque chose de propre. Et derrière, il nous restera la petite zone vivarium vite fait. Parce que, bon, au final, c'est juste à poser des vivariums. Et puis, l'enclos dingo, où j'ai pas du tout d'idée. Casoir non plus d'ailleurs, je vais pas vous cacher. Bon, on verra bien. On verra bien. Bisous YouTube, merci beaucoup. Twitch, on enchaîne, ne bougez pas. Salut, à demain YouTube pour la suite. Et l'enclos, casoir. Allez, tchou.